ambassadrice universelle de Lille, la pomme de terre Bonnotte de Noirmoutier, variété de pomme de terre primeur, est méconnue et son originalité fait son prestige. Originaire de Barfleur dans la Manche, cette petite pomme de terre enregistre un réel succès dans les années 1950. Elle sera délaissée quand la mécanisation de la récolte des pommes de terre se mettait en place. Elle est trop fragile et petite. La Bonnotte, ramassée uniquement à la main, n'était pas rentable. En 1995, les artisans cultivateurs de l'île de Noirmoutier décident de la faire revivre. Ils n'ont jamais oublié celle qui est à l'origine de leur renommée. La pépite d'or revient sur le marché en 1996. Elle sera classée comme la pomme de terre la plus chère du monde au cours d'une vente aux enchères à Drouot. Elle s'offre une nouvelle jeunesse auprès des consommateurs enthousiasmés par son originalité. Aujourd'hui, avec son goût prononcé de châtaigne fraîche, elle est devenue une ambassadrice universelle du savoir-faire en primeur de l'île de Noirmoutier. Comment ça se passe, la pomme de terre ? Regarde, regarde. Comment tu fais ça, Olivier ? Ben, on met des graines, on... Bon. Non mais, ouais, mais, non, mais... Des graines, on met des graines. Eh, ouais, regardez ce que c'est, une pomme de terre qu'on plante. Regardez. Oui. Voilà. Ben oui. C'est la fameuse Bonnotte. C'est la Bonnotte, ça. C'est la Bonnotte. Ça fait plus de 100 ans, au temps de Napoléon. Attention, attention. Le grand-père, le père Crépier. Mais pas toi. Mais c'est mon arrière-grand-père. Voilà, c'est son arrière-grand-père. C'est le père de ma grand-mère. Mais il n'a pas commencé avec de la Bonnotte quand même. Si. Secrétaire, après j'ai fini assistante de direction. C'est ma secrétaire. Depuis 42 ans, le 15 janvier 73. Et là j'ai fini le 31 janvier 2015. Donc la Bonnotte, ça a commencé en quelle année? Mais oui, ben, j'étais les premières. Ben oui, les premières, moi j'étais pas rentrée à l'époque. Non. Mais explique-toi Bruno. Explique. Non, mais on ne s'en pas payé, on s'en est. Mais pourquoi, et pourquoi au lait aussi cher? Mais parce qu'ils ont de la malheur. Regardez, il faut la ramasser à la main. Mais regardez le temps qu'on met pour ramasser. Si elles sont chères, c'est parce qu'il y a de la valeur. Non, mais c'est une fausse idée, ça, parce qu'il y a eu cette vente aux enchères qui a fait qu'elles sont vendues très chères, et tout le monde pense que c'est une patate qui vaut 1000... Bah oui, elle est même moins chère que la Sirtema au départ, donc c'est complètement faux. Les gens, ils ont focalisé sur cette vente aux enchères. Et voilà. Elle n'est pas, ben non, elle n'est pas si chère que ça. C'est de la bêtise. Enfin bon, voilà. Elle a son prix. Oui, elle a son prix. Oui, mais elle n'est pas... Ben écoute, elle vaut entre 3 et 4 euros. Oui, au démarrage. Ben c'est normal, les asperges, elles sont à combien? Oui, ben encore. Ouais. Encore même les bourguignottes. Ben les bourguignottes coûtent plus cher que les asperges. La Bonnotte, là, on lui met pas du goémon. Si, mais oui, non, mais nom de Dieu, il y a une adresse. Oh, l'adresse, toi, là? Oui. Mais le... Mais quelle est cette histoire qui dit que le goémon... Il n'y a qu'une seule personne sur le territoire de Noirmoutier qui a le droit de ramasser du goémon pour les pommes de terre. Non, bah, n'importe quoi. Tous les agriculteurs ont le droit. Même les autres, même pourquoi les une autres seule personne? Absolument pas. Tout le monde. Tous les agriculteurs, tous les adhérents ont le droit. Bah oui. Okay. Et Martine, si toi tu veux aller chercher du goémon, t'as bien le droit. Bah oui. Tout le monde peut en ramasser. Oui. Regardez. Pour votre jardin, tout le monde peut y aller. Mais nous, on est en retraite. Pardon? On est, oui, vous êtes à la retraite. À moitié, parce que regarde. Mais vous étiez agriculteur ou marin? Non, agriculteur. Tout le monde avec ma casquette. Ben oui, c'est la. Oui. Non. Ouais. Il y a 7 générations. Ouais. 7 générations. Mais qu'on est agriculteur. Non, t'as la rue du Père Greffier. Oui, Greffier, oui. Et c'est lui qui a commencé. La pomme de terre, oui. D'accord. Puis il ramenait les pommes de terre en bateau. Ah oui. Non, il prenait les bateaux dans l'Anse. Cuite à la vapeur pour l'expression de tous ses arômes,
ou juste blanchies et rissolées dans du beurre salé, elles rendent gourmands tous les gourmets.